Salut à tous les Marseillais! Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief Lens OM. Oh les gars, victoire 2-0, but de Payet et Bakambu. Bakambu, la nouvelle recrue, s'illustre au bout de 2 minutes. Incroyable. Bon, mon ressenti sur ce match, c'est que l'OM s'est imposé à un patron, a montré son jeu. À développer. La clé de ce match est l'étouffement. Si vous regardez bien, dès les 10 premières minutes, même dès que ça a commencé, l'OM les a étouffés, les a forcés à reculer. Et en tournant comme ça a évité que le bloc lensois il monte et il presse l'OM. Ça a été très bien, très fort, techniquement très juste, ce qui a fait chuter cette équipe de Lens, qui était sur une victoire, si je ne me trompe pas. Et Lens, franchement, je pensais vraiment pas que ça allait être un match comme ça. Mais là, on a gagné 2-0. On se met bien. Bon, Nice aussi viennent de gagner 2-0. Donc oui, ça fait chier. Mais franchement, incroyable. Très, très, très fort. Tous les joueurs étaient bons. Même Enrique. Luis Enrique, il a proposé. Franchement, il a bien aidé en défense. Les belles propositions. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Enrique. Et ça, c'est bien. Mais bon. C'est con, il a du souci à se faire, mais maintenant que Bakambu a marqué. Aïe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la tactique de Sampaoli. Sans Milik, faux numéro 9, on a assommé Lens avec cette technique. Et franchement, c'était un match très propre. C'est là où on a vu toute la qualité qu'a Sampaoli en vrai à l'extérieur. Il disait, et c'est vraiment ça, on n'arrive pas à prendre. Si on peut, on domine. À domicile comme extérieur. Mais la différence, c'est que si à domicile, on n'arrive pas à marquer, on va dire, dans les 20 premières minutes, derrière, on va dire, ça tourne à la catastrophe pour l'Olympique de Marseille. Souvent, c'est ça. Alors que à l'extérieur, on n'a pas trop de soucis. C'est plutôt ceux qui sont à domicile qui ont plus de pression que ceux qui reçoivent. Surtout là, ces matchs-là. Donc là, c'est pour ça. Et là, on s'est vengé de la dernière fois. Très beau match. Avec un nouveau clean sheet pour Paul Lopez. 10e clean sheet, je crois en 15e match, je crois, si je ne me trompe pas. Puis la défense solide, Saliba à 100% de duel réussi, 100% d'interception, je crois. Il a 95% de passes réussites. Enfin, franchement, monstrueux. Sa disponibilité et les transitions vers l'avant pour casser les lignes, elles étaient propres. Franchement, cette victoire, elle est très importante au classement. On a notre match en retard contre Lyon, mais franchement, c'était des points à prendre, à surtout pas perdre, et on l'a fait. On s'est racheté parce que voilà, face à Lille, c'est là où tu vois qu'on peut pas. On pouvait pas, on pouvait gagner, on devait même gagner. Parce que là, quand tu vois qu'ils ont perdu, 3-0, 3-0. Et oui, vous voyez, c'est comme quoi ça change. Mais bon, voilà, les regrets sont pas maintenant à voir. On va avoir la satisfaction pour l'instant. Se reconcentrer sur le prochain match, Coupe de France, Montpellier, à Marseille. Match très important. Il va vraiment falloir le gagner pour accéder au quart de finale, si je ne me trompe pas. Et là, on rentrera vraiment dans le même truc. Même si là, Montpellier, c'est une bonne équipe. Il va falloir qu'on y aille à fond avec la Grinta. Donc sur ce, je vais vous laisser à l'OM. Et surtout, n'abandonnez jamais. Soyez des guerriers comme les Marseillais. Ciao à l'OM. Sans bleu et blanc.